Hey, salut tout le monde, c'est Spectrolo, comme ça va, on se retrouve pour le Let's Play de The Legend of Zelda Link to the Past. J'ai encore failli dire Pokémon, non. Et je suis en compagnie encore de... Chrono. Je suis encore là, bon, on va se faire la fin du jeu ensemble. Exactement. C'est ce qui était prévu. Et en plus, je dois me retaper cette salle. Ouais, parce qu'on n'avait pas fini la dernière fois, semble-t-il. Non, on l'avait pas fini, moi j'avais réussi en 9, ben, en ta compagnie, mais il faut que je... Oui, je t'avais dit, mais faut commencer à montrer, voilà. Il faut que je me la retape, putain. Et bien sûr, je vais galérer comme un porc. J'ai pas de main. Comme quoi, là, j'ai fait que de la merde. Putain. Ça m'énerve, là. Et faut pas se précipiter. Tu te fais pour autant que tu l'allumes. Bon. Un truc t'as jeté dans le vide. Elle va tourner et on y va. Voilà, hop. Faut l'anticiper, c'est la rotation. Hop. Là. Voilà, oh, là, nickel, hop. Nickel. Oh, le timing de malade là. Ah. Et voilà, là, c'est nickel. Tiens. Oh, attends. Oh putain. J'avais pas compris qu'il fallait enlever ces putains de merde. Bon, heureusement que t'as plein de magie. Bah heureusement, la lanterne... D'ailleurs, c'est un peu con que la lanterne, ça use de la magie, pas de l'huile. Je te jure. Arrête, bon, c'est la lanterne magique, je crois que ça s'appelle. Bon, on retente. Oui. Vous avez fait un timing de fou, hein. Ouais. Mais vers la fin, ça tout a été niqué. Ah, c'est nickel, t'as pris le coup, là. Par contre, ouais, pas tombé dans le vide. Et là, ouais, et oui, nickel. C'est magnifique. Nickel. Non, je me fais pas tuer. Je veux pas me faire tuer pour les yeux. Mais en fait, les yeux, comment on fait pour les éviter? Bouclier les... Je sais pas si... ouais, vous me pas tenter, après, je crois qu'il faut leur tirer dessus, peut-être. Vu que c'est de Dieu... Ouais, là, on fait comment pas. Oh, putain, non. Ah oui, non, attends, ça se pète qu'à certains endroits. Ah, je sais ce qu'il faut faire. Parce que, tu sais, il y a certains endroits, ça se pète pas, mais en gros, il faut que tu fasses le tour. Avec un timing, il faut que tu t'allumes tout. D'accord, en gros, je vais galérer comme un porc. Allez, c'est parti, on y va. Hop, on est des fous, on est des spectrolos. On est des spectrolos, ouais. Voilà. Ouais, c'est pas si dur. Hein. Non, faut ça juste, voilà, faut juste bien faire attention. Ouais. Je sais plus comment il utilise ce truc là, peut-être avec le grappin ou non. Ah, le marteau! Ah oui, le marteau, oh oui, il écrase les. Non, c'est pas ça. Hein? T'es en train de crever! Wesh, on tue comment cette merde là? Hein? Non, tu comment là, je m'en rappelle plus. Attends, laisse-moi réfléchir. Peut-être le grappin, peut-être. Ils ont l'air d'avoir une carapace. Ouais, peut-être le grappin, essaye le grappin. T'es sûr? Je sais pas, mais bon, c'est en tout cas testé. Ah ouais, effectivement. À quoi ça sert la clé? Bah, juste à côté. Ah bah, je l'avais même pas vu. Oh, mais je suis bigleux, moi. Ah non, mais sérieux. Je l'avais même pas vu. Ah ouais, ah oui, faut, y a le gros truc de pique. Comment on fait? Ah oui, j'avais pas vu la fissure en bas. Oh non, ça va être casse-couille ça, il faut utiliser toutes les bombes là et casse-toi dans... on fait comment là, je m'en rappelle plus. Essaye de balancer les bombes. Et quel truc roulant, essaye de mettre le plus loin possible peut-être. Quoique... Ah bah voilà. J'ai envie de finir ce fucking donjon là. Oh là 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 là. Vas-y. Oui, nickel. des cœurs. Oui, des cœurs. Oh, des cœurs. Hein? Et ça, on peut pas le péter ça? Je sais pas du tout. Non, on peut rien faire avec. Ah, peut-être le capturer avec le chapignon. Le chapignon. Ouais, le champignon, non, en fait, ouais. Non, on peut pas. Il va pas me buter. Non, c'est juste une boule d'énergie qui est là pour casser les couilles. Ouais, je pense aussi. Hein. Alors là.
Là, faut jouer stratégique, là. Attention. Oui, un cœur magnifique. Attention, on prend le truc. Stratégique, oui, faisons le tas et c'est bon. On a presque fini. Ah, c'est le troisième boss, c'est le troisième boss. Oh non, pas lui. Oh là là. Oh non, non, pas lui. Je l'aime pas, lui. Il va me faire tomber, il va me faire tomber. Mais casse-toi, là. Il m'attend. Il veut pas, hein, il veut pas. Si, vas-y, vas-y. Maintenant, défonce-le. Ah. Oh là 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 là. Tralala. Tralala la la. Vas-y, non. Défonce. C'est bien là. Son espèce. Oh là là là. Oh. Putain. Oh. Pfff. J'ai pas aimé ça. Hein. J'ai pas été ici. Ah, attends, c'est peut-être la salle. Regarde ta carte. C'est peut-être la salle auquel je pense. Une salle que t'avais pas pu aller. Ah oui, je crois. Non, c'est... Ah non. Si, non. Si, si, c'est celle-là. C'est exactement celle-là. Si, c'est celle-là la carte qu'on a. Ah oui, oui, peut-être. Oui, c'est. Il y avait une salle qu'on avait pas. Qu'on pouvait pas y aller. Donne-moi des cœurs, donne-moi des cœurs là. Ils sont où? Ils sont cassés. Ah voilà, voilà. Donne-moi du cœur. Oh là là. Oui, cœur, j'aime les cœurs. Ouf, j'aime les cœurs. J'aime beaucoup les cœurs. Ouais, ils sont sympas les mecs, hein. Les Wiz. Donne-moi des cœurs. Donne-moi des cœurs. Non, pas des rubis, des cœurs. Je veux des cœurs. Allez, s'il te plaît. Mais ils apparaissent. Eh, mais ils sont à l'infini ou quoi? J'ai l'impression. Non, mais c'est cool pour me faire des cœurs. Pire, je ferai une ellipse. Je récupérerai tous les cœurs. Hein? Ouais, mais... ouais, après ça dure longtemps, oui. C'est possible, là, j'ai peur qu'il te donne plus de cœur, mais bon, au même moment, il t'en donne. Je vous aime. Je vous aime. Donne-moi des cœurs. Ouh, j'aime les cœurs. Oh, double cœur. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah. Oh là 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 là. Oh. Ouh. Oh là là, j'ai géré. Il est où le truc rouge là? Oh putain, je l'avais pas vu toi. Bon, en fait, il va plus m'en donner, oh, je pense. Là 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 là. En fait, je crois que c'est à l'infini, mais il y en a qui repop et il y en a qui repop plus en cœur après. Ouais, tu vois, il repop plus. Bon, enfin, bref, on va se faire le boss qu'on avait déjà fait dans la tour d'Era, c'est ça? Ouais, la fin, oui, la tour. Il y a le truc de la perle de lune. Ouais, tour de la mort. Oui, bien, bien. Enfin, la montagne, sur la tour de la montagne de la mort, ouais, la tour. Ouais, tour d'Era, ouais, je crois. Oh, allez, prends ça! Allez! Heureusement qu'ils ont pas été renforcés. Hein. On fait comment après? Ah, peut-être. Ah, peut-être grappin, quoi. Peut-être. Ouais. Je crois pas que tu peux sauter là. Ah, non. C'est pas le. Tu sais, la plume. La ah, plume. Oui. Ok. Ça. Ouh, ça s'annonce la fin là. La fin, c'est la fin. Oh putain, non, j'aime pas ça. Oh le hachoir là. Oh putain! Ça va être une boucherie! Dégage! Oh là, vas-y, mais qu'est-ce que je vous ai fait là? Oui, c'est bon. Ouais. Oh là 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 là! Oh là 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 là! Ouh, bien! Oh là là, il y en a partout! Ah non, non! C'est épique! Allez, cassez-vous! Il voulait même pas monter. Alors, quel étage on est là? Au 6ème étage. Oh, puis il y a du cochon là. Il y a pas d'effet là. Oh, mais j'ai pas la grande clé. Bah. C'est là que t'as pas la grande clé, si je l'enlève. Hein. Bah, si, parce qu'on a eu le costume. Ouais, hein. Tu m'as fait peur. Le... Oh ah, putain, ouais. On va se rendre. Oh ah putain, j'avais pas pensé à lui là. Bah, si, je En plus, je peux te le faire au fil à papillon, il me semble. Oh, c'est merveilleux que vous soyez arrivé jusqu'ici. Je suis très heureux de vous revoir, mais comprenez bien que c'est notre dernière rencontre. Après, vous allez vous mourir.
Allez, file un papillon. Juste pour le style. On va pas le faire au filet à papillon en fin de compte. Hein? Ouais, non, mais tu peux pas le toucher comme ça. Ah, je croyais, moi. Ah, c'est trop facile, hein. Faut faire du ping-pong là. Faut faire un... Ça y est, je m'en prends plein la gueule. Ça commence super. Allez, putain, c'est pas possible. Oh, ouais, double. Et ouais, non, mais c'est skill de fou là. Un triple? Oh non. Dommage. Alors, en même temps, il t'avait balancé l'autre boule là. Après, je crois qu'il peut te balancer les éclairs aussi. Oh non, me fais pas peur là. J'aime pas du tout les éclairs. Oh, pas mal. Allez, cassez-vous. Allez, boum 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 boum. Oh, oh. Ah, c'est qui? Ganon? Ouais. Ganondorf, eh viens là. Non, c'est pas Ganondorf, c'est Ganon. Pourquoi? Yeah. Oh yes. Ça c'est du bon. Et j'ai fait un trip, non? Je sais pas, mais bon, t'as fait du bon. Oh, j'ai pas fait de la merde pour une fois. Ouais. Ouh, qu'est-ce là, c'est pas, ouais, comme je disais, c'est pas Ganondorf. Enfin, si on peut conjurer du Ganondorf, mais là c'est plus la forme bestiale Ganon, quoi. Ganon. Alors là, on va s'équiper grave là. Oh, là, on le fait direct. On fait là, tu peux le faire direct. Je sais pas à combien t'es, mais on le fait. On le fait, on le fait. On est à combien de minutes? Il est ouf, Camtasia. Minutes. Merde, qu'est-ce que je fais? Merde. On est à 12 minutes. Et c'est comment mon dernier épisode de FF9? 13 minutes, tu finis le CD1. Bon, je laisse comme ça. Ouais, mais voilà, t'as largement de quoi faire la fin là. Avec deux fées. Oui, non, mais par contre, tu vas te faire défoncer. Mais, peut-être pas. Tout dépend, mais il est quand même plutôt balèze. Hein. En tout cas, moi je te dis, si tu peux te faire un max de flèches. Oui, il te donne pas des cœurs. Non, je crois pas. Non, lui il sert à rien. C'est... De toute façon, je peux pas faire ça parce que c'est pour forçant. Je me suis fait arnaquer. En tout cas, moi là, je conseille ouais, d'avoir des flèches à mort. Oh, doucement. Ah, ouais, des flèches à mort. Ouais, si t'en auras besoin, il te faut des flèches d'argent que t'as. C'est pour ça que je te demande de chercher des flèches. Que ça peut te servir. Ça peut te servir pour le boss final. Ok. Par contre, où on trouve les fées là? Je ne sais plus. Ah, je sais. La fée, enfin, la fée, non, je sais pas, mais je sais qu'il y a une fée ici où il te regène tout tes HP. Enfin, tout tes HP, tous tes cœurs. C'est elle. Voilà, je suis un ouf, t'as vu. Je m'en rappelle. Ah ouais, t'as laissé, par contre, t'as laissé le truc de comme ça, tu vois. Comme ça, les gens peuvent faire défiler. Ah ouais, merde, putain, merci. Ça, ils voient le chrono. Oh oui, il est que c'est. Je peux voir sur YouTube, mais bon, c'est. Gros fail, merci. Et les fées, j'en ai vraiment besoin ou pas? Bon, je pense pas. Tout... Enfin, moi je te dis tout dépend de ton skill en fait. Hein. Ah, j'ai un skill de PGM, attitude moi. Ah, si t'as le skill de PGM comme avec Aganim. Regarde, t'as vu? Si t'as le skill de PGM comme avec Aganim, tu. Voilà, c'était un peu de problème. Je sais pas qu'il est vraiment dur, mais il a une bonne difficulté. Moi j'en avais un peu chié. Mais sans trop avoir de difficulté quand même, mais pas ça. Vas-y, crève. Juste ce qui est important, c'est d'avoir des flèches d'argent, mais je sais pas si t'en gagnes là-bas. De quoi, des flèches? Ah, je pense, hein. On essaye ou pas? On est des fous, on est des fous. Oui, vas-y, hein. Essaye, de toute façon, on est qu'à... Au pire, on crève comme une merde, c'est pas grave. Ouais. Moi, je fais des flèches, par contre. Donne-moi des flèches. Salut, donne-moi des flèches. Oh, putain, c'est quoi, ça? Oh, doucement. J'ai plein de cœurs à gogo, mais moi je veux des flèches. Oh là, double cœur, waouh! Ouais, non, écoute, on va se faire direct le combat, on est des fous. Ouais, je suis malade. Je sais pas où il est ton dernier cœur. Hein. C'est vrai que. Ah ouais, aussi, vas-y, ça m'énerve. Ouais, ça c'est bon. Ah, oh, mais je veux pas des rubis, moi. Je veux des flèches. De toute façon, les rubis à ça du jeu, ça sert plus à rien. Alors là. À partir de ce moment-là, enfin, déjà le temple de Ganon, je l'ai jamais fait en neuf, je veux dire quand j'étais petit, je suis arrêté au rocher de la tortue. Ouais, mais t'inquiète pas, là c'est le combat final, hein. Il y a pas de donjon. Hein. Ah, je t'en mets comme une merde. Je n'aurais jamais pensé qu'un gogalé comme vous puisse me causer autant de problèmes. Je ne peux pas croire que vous avez vaincu par deux fois mon alter ego minable, Aganim. Le sombre sorcier, mais je ne vous donnerai jamais la Triforce, je vais vous détruire pour réaliser, sans tarder, mon rêve de conquête des mondes, des ténèbres et de la lumière.
Bon, on fait comment pour le tuer? Je dois le tuer, faut juste faire attention, il y a plusieurs phases, hein. Il se transforme pas, mais faut essayer de taper. À l'épée? Ouais, je crois que oui, au début c'est à l'épée, je crois, mais après il y a des moments où il y a besoin des flèches d'argent. Je crois, ou alors c'est tout le temps les flèches d'argent. Ou alors faut prendre ça? Non? Non, je crois, il me semble pas que tu t'as à prendre le trident, ce serait trop. trop ça facile, trop, tu vois. Trop, ouais, trop épique. Je suis dans le même pour les le... T'as vu la taille du trident comparé à. Mais il fait rien, enfin, je sais pas. Ah, je sais plus que tu. Attends, faut trouver comment le. Ouais, non, attends, c'est fait que ça avec les flèches, mais je crois qu'il faut faire quelque chose, je sais plus quoi. Je crois qu'il. Non, je crois dans la un... cape. Dans ah, la dans cape. Le... Dans... Ouais, dans le cul. Ah, bah, tiens, prends ça dans la queue. Bah, attends, mais rien que dans Can of Time, tu dois le taper la queue, quoi. Ah, ouais, non, j'ai compris, parce qu'il a une cape et puis il est faible, tu vois. Tu vois, là, il est faible. Il est faible. Il est faible, je dis. Oh putain, c'est quoi ça? Ouais, oui, c'est. Oh, il a des boules de. Ouais, ouais, au fur et à mesure que tu le tapes, il va avoir plus d'attaque. Hein. Oh putain! Ah non, oui, je sais, les flèches d'argent, c'est vers la fin, c'est pour le tuer. Ça sera obligatoire pour la fin, il me semble. Ils font si mal ces chauves-souris en feu là, il fait très très mal. Il peut pas donner des effets là, des effets des. Allez casse-toi, moi je suis un fifou, allez casse-toi. Non, j'ai pas envie. Cassez-vous. Ouais, c'est bien, viens là. Hein? On peut le tuer là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il arrête de bouger. Ouf. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, il va changer la salle. Enfin, je sais plus, il va changer la salle. Oh, t'es sérieux? Et je crois même qu'à un moment, il y aura le sol en bleu. Je crois qu'il s'est ralenti, un truc comme ça. Enfin, je sais plus. J'ai plus énormément de souvenirs, mais. Mais bon, pour l'instant, il faut le taper dans le cul et après, tu verras le reste. Pour l'instant, ça va, c'est. Ouais, non, mais si je te dis, c'est en fonction de ton skill et... Vous vous débrouillez bien, vous saurez-vous éviter cette technique secrète des ténèbres en garde, la mort qui tue, en garde. Oh, en fait, je l'avais pas senti. C'est Kamehameha, là. Ouh, c'est quoi ça? Je fais quoi, là? Ah oui, faut allumer. Mais je l'ai même pas vu arriver, aussi. Ouais, non, en fait, faut allumer, il est invisible, je crois. Il faut allumer avec la lanterne ou autre chose pour allumer le feu. Ça va être hard là, ça va être très très hard. Ça, je sais qu'en fonction de ton skill, il est pas forcément hyper dur, mais il peut être un peu chiant quand même. C'est pas le boss le plus facile de l'histoire du vidéo, je pense. Hein. Ah ouais. C'est pas le plus dur, non, c'est pas le dernier. Mais viens là. Oh putain, c'est chiant. Mais comment tu fais quand t'as plus de mana? Ouais, il va pas t'en donner, hein, à mon avis. Ouais, je crois que t'es mort, j'ai déjà plus de mana, quoi. Pourquoi il devient rouge, bleu, vert, je sais pas quoi, là? Ah, il est de moins en moins invisible, c'est pour ça. Ah, ok. C'est pour ça qu'il change de couleur, c'est dans les ténèbres. Mais il veut pas venir! Oh, putain! Ouais, c'est pour plus ça. De mana, cette heure-là. C'est pour ça que je dis, ça dépend de son skill, c'est des moments... Au début, ça va, il est pas très chiant, un peu, mais bon, bof, hein. Puis après, il devient beaucoup plus chiant. Ouais, vas-y, casse-toi, qu'est-ce que je t'ai fait? Bon, mais je sais pas si ça va être possible d'y arriver, là. C'est pas des flèches qu'il faut. Je sais pas si... Bah, tente, de toute façon, t'as quand même pas regarder sur internet. Ouais, attends, j'ai pas les Zelda à la rescousse. Non, bah non. Non, c'est pas les flèches d'argent pour le moment. Ouais, non, c'est chic, normalement, je me rappelle, il y a les flèches d'argent utilisées, mais c'est certaines choses. C'est à la fin, ouais. Je crois qu'il faut 3 flèches d'argent, je crois, peut-être. Ou peut-être une, je ne sais pas. Fiva. Il est devenu blanc verdâtre. Oh non, c'est ma fête. Fête. Oh bah je suis mort hein, là, hein, ce temps-là, j'ai plus de potions, j'ai plus de... Ouais, j'ai rien, hein. Je vais mourir comme une merde. C'est cool. Après tu pourras faire une hélice pour le recommencer, pour essayer finir le jeu. Ah
Non, j'ai pas envie de mourir pour l'instant. Je veux que tu crèves avant. Je veux que tu crèves. Ah oui, voilà. Voilà. Je voilà, en fait le truc c'est là, c'est la phase finale. En gros, il conseille d'utiliser la sphère et quand il est en bleu, utilise les flèches d'argent. C'est... Oh et putain, faut mais 4 fois. Faut faire ça 4 fois. Il faut. Mais me fais pas peur, tu m'as fait peur. Tu m'as fait faut faire ça 4 fois. 4 fois. j'ai mon cœur qui bat à 100 à l'heure là, putain. J'ai fait flipper tout le long. Oh putain. Oh comment il m'a fait peur. Mais oui. T'imagines, tu mets ça. Non, ouais, ellipse. On va faire une petite ellipse, les amis, on va se quitter là. On se retrouve dans le prochain épisode. Non, je blague. A tout de suite. Allez, c'est parti. Là, on va faire une file save, je sais pas, file save. T'as enregistré ou pas? Ouais. Enfin, t'enregistres pas la vidéo là. Si. Ah, si, t'enregistres. Ouais, regarde. Bon. Oh. Oh. Bon, on y va. On est des fous. C'est parti. Bon, maintenant ça devrait aller, maintenant que t'as compris. Enfin, j'espère. Oui, t'inquiète pas. Je l'enchaîne un petit peu, je pense. Tu vois, ouais. En fait, comme tu peux toucher de loin, et je sais pas si je sais pas si ça marche. Je vais voir comment ça va se passer. Et pour l'instant, ça va. Ouais, pour l'instant, en fait, le truc, faut pas foncer. Ouais, faut pas faire le fifou, tu vois. Ouais, pas comme t'avais fait tout à l'heure. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'était fait démonter. Sa vie, elle avait fondu, mais un truc de malade. Bon, là, j'ai déjà perdu 2 cœurs inutilement. Enfin, inutilement. Ouais, ah, non, ça peut arriver, t'es pas le maître. Hein. Je perds beaucoup de cœurs avec cette merde. Là. Ouais, ça entend F2, 2, c'est quand même énorme. Hein. Ouais. Ça va être chaud là. Oh putain. Voilà. Qui fait ? Là il pète ta salle. Ah ok, donc là faut pas tomber parce que sinon vous êtes dans la merde. Bon, pas vraiment, mais c'est juste que vous devez refaire le boss. En gros, ouais. Là c'est la phase de transition, j'ai envie de dire. Ouais, si tu te fais choper, t'es foutu. Ah mais je prends très très cher là. Oh là là. Pour l'instant j'ai pas perdu de fées pour le moment, donc ça va. Ouais, là, c'est la dernière partie là. Vous débrouillez bien, vous saurez vous éviter, mais saurez-vous éviter cette technique secrète des ténèbres en garde. Et donc là t'as compris. Ouais ben bah, je me suis fait dans démonter. Les ténèbres et faut allumer le feu. Et ensuite le frapper, et ensuite quand il est immobilisé en bleu. Oh putain, flèche. Mais c'est au moment où je frappe, tu vois. Oh vas-y, casse-toi. Non, c'est... Oh mais vas-y, qu'est-ce que je t'ai fait, toi. Il est où, là? Casse-toi. Mais vas-y, je te tape dessus. Non, sérieusement, je tape dessus. Hein. Ouais, mais si je trouve, il se balade vite. C'est vrai que cette phase est pas évidente. Oui, pour moi, oui. Ah, mais moi, j'en ai chié un peu aussi. C'est pas parce que t'es nul. Hein. C'est qu'il est quand même plutôt corsé, quand même. C'est pas... Voilà. Ah, il a fait l'argent. Oh oui, c'est bon ou pas, Non, ça a pas marché, je crois. Je crois que j'ai vu rebondir, donc... Moi aussi, mais... Peu, ça a été un peu vite, là. Je sais pas, ça a pas l'air de marcher, enfin... Je crois que si ça marche, mais faut... C'est juste, je sais pas, ça doit être la position, je sais pas quoi. Là, je crois que ça l'a touché. Pas sûr, parce que je crois qu'il faut que ça soit que tout allumé pour que ça marche, pour que ça soit vulnérable. Ah bon? C'est ce que j'avais lu... Je crois que... Oh putain. Là, c'est... Il y a des moments où c'est super dur. Ah ouais, là il est invincible. Qu'est-ce que je fais? Je lance une flèche dans un brasier sans feu. C'est super... Enfin, je trouve que c'est pas facile. Franchement, j'aurais cru que c'était un petit peu plus facile. Ah bah, c'est Luc Zopa, c'est quand même bien corsé, Zelda. Hein. Oh oui. Oh mais lui, il apparaît de nulle part. Oh, tu sais, bon, c'est, je crois qu'il va y avoir coupure c'est de mal mental. Ouais, je pense. Hein. Parce que je crois qu'il reste 2 coups, non?
Bah il faut que tu le tapes et que tu envoies 4 flèches. La quatrième qui est fatale quoi. Donc là je crois que tu l'as même pas vraiment touché une fois là. Ah ouais. Même si tu as balancé les flèches, je crois que ça a pas opéré. Oh putain. T'as pas réussi à le toucher. Mais il est super rapide, c'est... C'est Ganon. Oui aussi, oui. Mais t'as vu ? Je le tape dessus, hein. Ouais, c'est... Ouais, parce que malheureusement, t'avais la lanterne, enfin, les flammes éteintes. Cela, il est... Ouais, il y a un moment où il faut... Faut gérer du pâté. Ouais, c'est quand t'allumes la lumière, tu vois, il s'arrête. Ah, j'ai pas fait attention. Ça regarde, tu vois, il se couvre. Il a ouais, tu fais... Non, mais faut pas que tu te mettes devant lui. Tu tapes de... Oui, là c'était bon. Mais t'es pas obligé de te mettre devant lui. Tu tapes de n'importe quel côté, faut juste que la flèche le touche. Ah, ok. C'est pour ça qu'en fait, maintenant je comprends pourquoi tu y arrives pas. Parce que tu perds du temps, parce que tu essaies de le toucher d'un autre angle alors que tu peux le toucher de n'importe quel angle. Faut juste que tu sois en face de lui. Je veux dire, faut juste, voilà, faut que ta flèche le touche. Ok. Ça ira plus. Je pense que ça ira. Là, une fois, normalement, une fois que tu l'as vraiment eu là. Ah, mais là, c'est un peu dur là. Casse-toi, mec, vas-y, c'est quoi ce délire? Hop. Ah, j'aurais pu le toucher, je pense. Non? Ah, faut bien calculer le coup. Mais je t'ai touché là, putain. Oh, il m'a frôlé, mais. Oh! Ouais, ça, c'est... Ça va être super. Je sais pas combien il te reste de fait, mais si t'y arrives... Oh, mais non, c'est bon. Si t'arrives là, t'es du holo, là. T'es du holo. Écoutez, on va faire une... On va pas faire une petite ellipse, on va faire quoi? Une loading game, ça? Ouais, mais tu vas devoir te rattraper le coup. Moi, c'est... Je sais pas. Je sais pas si les gens, ils veulent tout voir. Bah ouais, mais je suis un petit peu obligé, je suis désolé. Au moment où il parle, je lui casse la gueule. T'as vu ou pas? Ouais. Non mais là j'ai compris que il va crever. Il va crever là. Là il va crever. Mais quand je te dis il va crever mais ah non, salement. T'es pas obligé de te mettre devant. Ouais ouais. Et après je ferai une save game pour comme ça tu vois. Là j'entends bien ta manette. Ça fait super ça. Ah attention t'as ta petite flèche là. Qui est sur l'écran. Là ça va. Tu vois. Pour l'instant ça gère. Je suis en PGM attitude, tu vois. J'ai rien dit. Tu vois. Là c'est bon. Alors là je vais faire une. Oh oui. Là je vais faire une file, je sais pas quoi, une save game. C'est ça? T'as dit save game? Save game, voilà. Voilà, là on est sûr de recommencer à ce point-là si on crève. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. Hein ouais, je gère du PGM là pour l'instant. Oh, tu pouvais pas. C'est dommage. Casse-toi, moi je vais te casser la gueule, je crois pas. Hein. Voilà, casse-toi. T'as pas compris, je suis Spectrolo, voilà, bien, allez hop, une faille same face I game. Tu vas de plus en plus vite là. C'est la première fois t'as mis au moins. Ouais, mais oui, après quand t'as compris le truc, temps, c'est ouais. Un petit peu plus facile. Ouais, moi, alors là. Quand même d'utiliser le truc de feu. Ça là. Ouais, comme ça t'as juste à te mettre bon, en faisant attention, mais bien t'as vu. Oh le pas. Save game. Non. L'autre gars ne fait pas save. Hein. Oh putain. Heureusement que. Heureusement que. Le pouvoir de l'émulateur. Ah ouais, non, sinon. Sinon j'étais foutu là. Mais non, mais putain. En plus il a touché. Je l'ai touché mais non, je pas recule. Pas save. Ouais, non mais si je suis pas tu l'as touché, je sais pas, tu lui as pas donné de coup d'épée mais ça l'a quand même mis en bleu. Je suis bizarre. Alors je sais pas si c'était un bug ou que ça mais bon c'est. Viens là toi. Ouh. Ouh tu vas souffrir mon pote. Et tiens dans ta gueule. Oui.
crie pas, tu m'as fait flipper. J'ai failli lâcher ma manette là. J'ai fait oh putain. Ça, c'est pire que le stand-up. Oh putain, Chrono, il me fait peur. Mais non, mais c'est vrai, tu m'as fait peur. C'est casse-toi lui, oh non, merde. Non. Casse-toi. Viens là, mon petit. Allez, viens, viens voir papa. Vas-y. Non, j'ai pas envie de tomber. Allez, casse-toi, mon pote. Prends-toi une flèche, ta gueule. Boum dans ta gueule, allez. Ouais, je veux pas faire bouffe. Allez, bouffe ça. Bon, c'est bon, c'est bon, tu vas le niquer, tu vas le niquer. Ça doit être bon. Tu fais comme ça, tu niques. Ça se passe. Tu quoi? Tu niques. Allez, casse-toi. Attention. Oui, boum. La troisième. Je suis excité comme si c'est moi qui joue. Ah, c'est pas moi. Allez, viens, allez, viens, mon petit, là. Allez, prends-toi ça dans ta gueule. Quoi? Au pire, utilise le bâton pour aller plus vite, encore plus vite. Non, oh, j'ai failli tomber. Oh, c'est pas grave, ouais, on s'en fout. Bon. On va le taper dessus. Oh merde, dommage. Mais j'étais en train de le taper. Ah oui, t'avais raison, c'est le truc de la lanterne de merde là. Ouais, c'est pour ça, faut mieux. Tu sais, le sept permet de. Oh, allez, allez, allez. Boum. Oui. Yes. J'ai fini Link to the Past pour la première fois. Link to the Past pour la première fois. Alors là, je suis vraiment heureux de l'avoir fini en compagnie de Chrono Channel. Comment tu m'as fait rire. Ah, il m'a tué. Faut faire quoi là? Ok. Pas avancer, tu vas voir ce qu'il y a derrière. Ah, je voulais tomber dans le trou, moi. Oh, la Triforce. Bienvenue, Spectre. Je suis l'essence de la Triforce. Par contre, je vais augmenter un peu le son du jeu parce que la musique est vraiment sublime. Ah non, c'est trop fort en fait ça. Ah, je vais y arriver. Allez, Spectre. Voilà, c'est bon. Le pouvoir d'or de la Triforce des dieux exauce les vœux de la personne qui la touche. Si une personne au cœur d'or la touche, tous ses bons vœux seront exaucés. Si une personne au cœur ténébreux la touche, elle exaucera ses vœux diaboliques de Spectre-là. Plus le vœu est fort, plus Spectrolo monte. Puis ça, c'est la question. Yannon vivait de conquérir le monde, ce vœu genre le tardant au monde des ténèbres. Yannon ayant développé son pouvoir ici pour et conquérir le monde. Ah putain, ça fait trop rituel, maintenant on va dire si Yannon se monte une ténèbre, va s'en venir, on tient à venir. Oh putain, je suis une fuck. La Triforce attend son nouveau possesseur, son pouvoir d'or est entre tes mains. Ou Gollum aussi. Ou Gollum, ouais. Maintenant. Oh, maintenant, touche-la en faisant un vœu dans ton cœur. Oui, prends la Triforce, Paige, prends la Triforce. Oui, je l'ai, oui. Je suis trop content de l'avoir fini ce jeu. Donc voilà. Donc voilà, on a terminé ce jeu et on va se laisser là. Non, je vais laisser la cinématique quand même parce que voilà quoi. J'ai jamais vu la cinématique. Bah merci à toi d'être venu dans ces épisodes. Bah de rien. C'est marrant la fin. Dans le dernier épisode, c'est le plus épique de tout, je pense. Dans les autres épisodes, donc dans le donjon du squelette que t'étais aperçu dans ce let's play, dans Pokémon Gem, etc. C'était vraiment très très sympa d'être en ta compagnie pour finir ce jeu. En plus toi tu l'as déjà fini avec les vainqueurs. Moi j'ai pas réussi à trouver les... Enfin j'avais trouvé les trois derniers mais je les ai pas montrés. Mais le quatrième dernier cœur, enfin ouais j'ai pas trouvé le fragment de cœur restant, donc voilà. Et le let's play de Zelda est terminé.
Alors que je vous parle, le Let's Play de Pokémon version Saphir en mode Nuzlocke Challenge est également terminé. Donc on pourra bientôt commencer Sonic Aventure 2 Battle sur Nintendo GameCube, attention. Et on continuera le Let's Play de Zelda Majora's Mask en compagnie de Chrono Channel. Donc c'est un... Ouais, ce serait temps hein. Oui. Après combien ouais. 3 mois 4 mois 5 mois. Enfin je sais plus combien de temps, mais c'est vrai qu'on l'avait complètement oublié, surtout moi... qu'il avait complètement oublié et c'est vrai que ce let's play est vraiment très très sympa, enfin ce let's play va être très très sympa car j'avais vu un peu le let's play de la team miel et ça rocks du poney hein. Ah ouais ouais, ouais ça le jeu il rock hein, quoi. Ah ouais ouais. Après moi le seul petit problème ben c'est quand je voyais que le temps était mon ennemi, mais en fait il faut le prendre avec vous et après vous pouvez soulever des montagnes, des rochers, des volcans, des gongés. Je sais même pas ce que j'ai dit comme mot à l'instant. J'ai fait du gongé. Je sais pas ce que j'ai dit, enfin, bref, vous avez compris. Bah, t'as dit un truc, je sais pas c'est quoi. Je sais pas. Et merci encore les abonnés, vous êtes plus de 120 personnes à me suivre sur ma chaîne YouTube, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, un grand merci, merci à vous. Et bah, je suis vraiment content d'avoir fini quelques let's play sur ma chaîne ayant fait mon commencement sur YouTube en fin septembre je crois. Ouais c'était fin septembre ou août je sais plus. Donc Pokémon Gem aussi est bientôt terminé, je ferai une saison 2 après, pas tout de suite. Qu'est-ce que je voulais dire, oui Super Mario Bros 3 je l'ai terminé, Metal Slug X sur PlayStation 1 est également terminé, Link to the Past est terminé également, le Pokémon version Saphir en mode Nuzlocke Challenge est aussi terminé, donc il me reste pas trop de let's play, donc je pourrais commencer un nouveau let's play, donc Sonic Aventure de Battle que j'avais dit que je ferais à mes 300 abonnés, et maintenant j'en ai plus de 500, et j'ai toujours pas commencé le let's play, honte à moi. Et est-ce que tu voudrais dire quelques petits mots Bah je sais pas, qu'est-ce que je dise. Ben de présenter ta chaîne que je t'avais pas demandé de te présenter, j'avais oublié. J'ai déjà présenté plein de fois. Alors il fait un display, bah, alors il fait un live, attention, il fait un live de Chrono Trigger, attention ça rigole pas. Il fait alors tu fais quoi? Tu fais Golden Sun 2. Ouais là je fais perdu oui. Ouais, t'as terminé le 1. Normal ouais. Parce que après il a commencé le 2 après. Ouais même si à la base moi, quand j'avais joué j'avais fait le 2 en premier, moi j'ai trop en magasin, j'ai fait le 2 en premier. C'est vrai que vous me faire le 1 avant. Ouais. Est-ce qu'elle lui repose à nouveau pour toujours. Et voici après, la fin. Après il manquera juste le 3 sur DS, Obscur Aurore, que je ferai sûrement. Mais ça y a aussi FF9 et après ouais. Bon pour le reste on verra bien. Il y a pas mal de jeux que je pourrais faire. Peut-être aussi sur Link to the Past un jour. Hein. De toute façon, j'y passerai bien un jour ou l'autre. Ouais. Hein, mais bon, ça sera dans peut-être une éternité. Ouais. Et aussi, je voulais dire que The Legend of Zelda Minish Cap, je le ferai sûrement sur ma chaîne, mais pas tout de suite. Je l'avais commencé sur la Team Let's Play. Mais la Team Let's Play n'est plus. Donc, on a recommencé une chaîne. Malheureusement, ce n'est plus en compagnie de Chrono. Il a quitté la team Let's Play. Cause d'inactivité, surtout en venant de moi en même temps, et d'autres personnes qui ne mettaient pas trop de vidéos parce qu'ils voyaient qu'il n'y avait pas beaucoup de vues, de commentaires, etc. Même s'il y avait 107 abonnements, enfin 107 abonnés, et ben on avait décidé d'arrêter cette chaîne, la Team Let's Play, et on a recommencé une nouvelle chaîne, la Team Metor Prod. Donc pour l'instant il n'y a pas Chrono mais on verra. Moi j'aimerais bien qu'il revienne. J'aimerais bien qu'il revienne. Mais vas-y fais des vidéos encore là. Mais maintenant ben on fait la chaîne Team Metor Prod. Donc c'est accompagné de plusieurs let's play. Donc moi je vais faire, enfin je fais actuellement Pokémon version Verfeuille en mode Nuzlocke Challenge. Il y a un let's play également de Mario RPG, je sais plus si c'était, ouais c'est Mario RPG, je sais plus trop. Ouais, Super Mario RPG, je sais ouais, plus. Ouais, Super Mario RPG sur NES, Super NES. Voilà, exactement. Ensuite nous avons The Sonic, The Hedgehog 3 qui va être bientôt, God of War, Far Cry 2. Et bien d'autres choses, un let's play cop de Poké MMO, bientôt les lives sur cette nouvelle chaîne, des vidéos, des temps, des tutos, etc. En gros, vous allez kiffer, donc vous pouvez vous abonner à la chaîne de Spectrolo, la chaîne de la Team Metor
prod, et vous pouvez vous abonner à ChronoChannel également. Ouais. Comme ça, 3 abonnements en une vidéo, tu vois. Abonnement. Je sais ce que c'est, mais... Veuillez vous abonner, s'il vous plaît. Cordialement. Oui, c'est très très bon. Mais en tout cas, bah, merci d'avoir vu cette vidéo en compagnie de ChronoChannel. Et enfin, j'ai fini ce Let's Play. Oh là là. Magnifique fin, en tout cas. Enfin, pour un jeu un peu ancien, un peu rétro, je dirais-je. Il a mon âge, quoi. Il a vraiment mon âge. Il est sorti en 92, enfin, surtout chez nous. Mais je sais pas si dans les... dans les autres pays, il est... Enfin, c'est au Japon, c'est peut-être sorti en 91, peut-être, je sais pas, peut-être 91, enfin, je sais plus. Mm-hmm. De toute façon, je peux toujours chercher, mais bon, je sais que chez nous, il est sorti la même année que moi. Ah ouais. Que ma naissance. Mais vraiment, un très très bon jeu que je vous recommande. Vraiment, une énorme durée de vie, surtout. Même s'il y a des gens qui le font en speedrun et qui le font en même pas 5 minutes, j'ai vu un speedrun. Ah ben en général, les gens qui font en speedrun, c'est qu'ils ont bientôt... Ce qu'on sait, ouais, ouais. Qu'ils font en speedrun, c'est qu'ils ont bien, fait de jeu, ils ont fait à fond, c'est pas juste des gens. C'est gens qui essayent voilà, d'améliorer, d'aller le plus possible. Voilà, ils ont exploré des bugs, etc. C'est un peu comme un art, j'ai envie de dire, le speedrun. Ouais. En fait, c'est un peu, c'est montrer différentes techniques pour arriver le plus possible. Genre, League to the Pass finit en 3 minutes, je crois. Sérieux? Avec un gros glitch, par contre, hein, pas en... C'est pas le glitch quand tu vas dans le château de... Ouais, tu traverses dans le temps et tout, t'arrives à la salle de la Triforce. Ah, c'est énorme ça. Tu fais même pas le combat, je crois que tu vois le combat final, mais tu passes direct en fait. Ouais. Enfin, tu vois juste la salle, mais tu vois pas Ganon. Y a pas le script qui se déclenche en fait. Ouais. Mais vraiment... Je vais aller regarder sur jeu.com pour voir la date de sortie, mais je suis agressé par des pubs. Tu sais, ça fait attends, après chaque repas, j'ai envie de dire, mais ta gueule, la pub de merde. Ça, c'est comme la pub The Voice, oh putain. Oh là là, The Voice, le... Des fois, j'ai envie de prendre le truc, de le péter, là. Ah, c'est chiant. Surtout, des fois, j'arrive, je upload une vidéo, et... C'est rare, mais ça arrive hein, quand je upload une vidéo qui a ça sur l'écran de l'uploadage. Par contre, c'est normal que ça bouge plus après. Je crois que normalement dans les Zelda, t'as ta fin, ça, tu peux plus. Ah oui, comme dans Zelda Two Life Princess. Ouais, même dans Ocarina of Time, Majora's Mask, enfin la plupart des Zelda c'est comme ça, à part Skyward Sword. Même si là, faut faire attention à la fin. Ah oui, il y a un aspect de Zelda Skyward Sword aussi, il y a également sur les teams Meteor Prod, j'ai oublié. En tout cas, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo, tu peux liker, tu peux mettre un commentaire, tu peux t'abonner à ma chaîne, tu peux également t'abonner à la chaîne ChronoChannel, à la Team Meteor. RPG, attention, hein, RPG. Voilà, chaîne de RPG 100% bon, japonais. 100%, il y a peut-être des fois des petits trucs, mais bon, ouais, hein, ouais. C'est des RPG. Ben, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve pour la suite de ces prochaines vidéos. Qui vous plaise à ce que je vois, hein. Donc je suis content que ça vous plaise, que vous passez des bons moments en ma compagnie. Et oui, mais compagnie, tu vois. Et oui, j'ai dit que de la merde. Et en tout cas, merci d'être venu dans cet épisode chrono. Bah de rien, on dirait que t'es moi là quand tu mets 15 ans à finir le truc. Ah c'est bon, non, des fois je mets 15 ans à commencer, je mets 15 ans à finir. Ça arrive. Tu vas dire le mot de la fin. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, comme on l'a dit, voilà, partager, liker et tout, et on se retrouve pour du Majora's Mask, ça a tout défoncé, vous allez voir. Ah ouais, sur la chaîne de Spectrolo. Voilà. En dual commentary avec ChronoChannel, tout un let's play. Attention, ça rigole pas, hein. Ouais, ça rigole pas, hein. Surtout que c'est la fin du monde. Dans Majora's Mask, hein. Ah ouais. Ben, voilà, dis le mot de la fin, je sais pas. Bah, au revoir et à la prochaine. Ok, allez, salut tout le monde.